Non mais moi je vais vous parler de moi, je suis très content d'être là, très content d'être à Paris. Je suis arrivé tout à l'heure à Paris. Paris, je kiffe Paris parce que c'est une ville où il y a trop de meufs. Marion, moi je kiffe les meufs. Non mais vraiment. Ça marche. Surtout, non mais genre juste, je trouve un truc, c'est que impossible de draguer les meufs à Paris. Genre tout à l'heure, je descends du train Gare du Nord, je vois une meuf, elle passe devant moi et tu sais, j'essaye de la draguer un peu classe. Comme dans les films, je lui dis excuse-moi, ça dirait qu'on aille boire un verre. Je vous jure, elle est passée à côté de moi. Elle m'a dit, je suis désolé, je parle pas français. Attends, moi je suis con, sur le coup, j'ai pas compris, tu sais. Je lui ai fait, ah, sorry. Tu vois, parce que je suis un peu teubé. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de draguer dans la rue. D'habitude, je drague sur Instagram et tout. Sauf que je vais vous expliquer, le problème avec Instagram, c'est que les filles, elles sont magnifiques sur Instagram. Après, t'arrives en vrai, c'est Edgar Yves qui vient. C'est compliqué. Attends, une fois, j'ai parlé avec une meuf sur Instagram, elle était magnifique. Je vais la voir en vrai, elle avait ta voix, frérot. Je lui dis, excuse-moi, tu vois, j'étais un peu bloqué. Elle me regarde, elle me fait, qu'est-ce qui il y a une couille quelque part. Je dis, ben là, il y en a deux, là, madame. Ah non, c'était une galère. Mais moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai une meuf en soi. Juste, en ce moment, c'est un peu compliqué avec Eve, parce que, en fait, elle a fait un rêve où je l'ai trompée. Et elle s'est réveillée, elle a pété un câble comme si c'était vrai. Elle s'est énervée sur WAM. Du coup, moi, tu vois, ça m'a saoulé. Donc, je l'ai vraiment trompée. Et elle m'a surpris en train de la tromper. Tu sais, elle arrive dans une pièce, j'étais en train de la tromper. Tu vois, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je savais pas quoi lui répondre. Et je lui dis, bah, tu vois, ton rêve, il s'est réalisé. Je savais pas quoi lui dire. Mais bon, c'est compliqué. C'était compliqué entre elle et moi parce qu'en fait, elle trouve que je suis une baltringue. Vous savez tous ce que c'est une baltringue? Oui. Pour ceux qui savent pas, c'est dans la rue, des fois, il y a deux personnes qui se battent. À un moment donné, il y en a un qui court. C'est moi. Voilà. Ah, je suis une baltringue. Tout le temps, c'est compliqué, même avec mes frères. Par exemple, mon petit frère, il est plus costaud que moi. Il me fait rep, mon petit frère. Genre, des fois, j'ai envie de faire des trucs de grand frère, tu vois. Genre, le réveiller, la dernière fois, je devais le réveiller pour qu'il aille à l'école. Je vais dans sa chambre, je toque, je dis, hey, tu te réveilles, tu vas à l'école. Il m'a dit, je vais pas à l'école, il y a quoi? Je dis, bah, il y a pas l'école, hein, du coup. Je savais pas quoi lui dire. Non, c'est compliqué. Genre, la dernière fois, et je vais terminer sur ça, la dernière fois, j'étais avec ma copine, elle était dans la rue. Là, il y a un mec, il vient, il l'embrouille. Je savais pas quoi lui dire. Là, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, mais toi, tu dis rien. Moi, j'ai dit, je suis désolé, je parle pas français. Merci beaucoup. Un maximum de bruit pour Iliès Jadel, s'il vous plaît. Bravo.